c'est le syndicat qui désigne son délégué pour l'entreprise. Le délégué bénéficie de droits spécifiques. Il peut consacrer un certain nombre d'heures de travail à accomplir sa mission. Il jouit d'une totale liberté de déplacement dans l'entreprise. Un local lui est attribué par la direction dans les grandes entreprises. Il bénéficie d'une protection particulière contre les licenciements. Au cas où le patron, agacé par l'action d'un délégué syndical, viendrait à oublier un peu le code du travail, un inspecteur du travail se ferait immédiatement un plaisir de le lui rappeler. Si le délégué syndical est considéré comme représentatif par le biais de son syndicat, c'est surtout sa motivation et sa compétence qui lui donnent sa légitimité. Il est formé par son organisation à la législation du travail, aux techniques de négociation, d'action. Au-delà de son entreprise, le délégué sera apte à participer à la négociation d'accords pour l'ensemble de sa profession. Un délégué syndical est toujours au service des salariés. En dehors de son action dans les conflits et les négociations avec la direction, il informe les salariés sur l'évolution de leur entreprise, de leur métier, de la législation du travail en général. Il fait également passer aux salariés des messages de son syndicat. De plus, il a un rôle de conseil auprès des salariés qui ont des problèmes individuels de relations de travail, de conditions de travail ou encore en cas de litiges individuels. Il arrive parfois que le délégué syndical ait d'autres responsabilités dans l'entreprise. Délégué du personnel, membre du comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail, membre du comité d'entreprise. Le cumul peut entretenir une certaine confusion entre ces fonctions, complémentaires mais pourtant très différentes. Vous voulez en savoir plus? Demandez donc à votre délégué syndical. Qu'il cumule ou non les mandats, la réalité de son travail n'est pas toujours reconnue. Certains s'imaginent qu'il profite de ses heures de délégation pour faire bien autre chose que de défendre les salariés. En fait, un délégué syndical travaille beaucoup. Il prépare et organise des réunions, rédige le compte-rendu des négociations, imprime des tracts, les distribue, affiche des infos, étudie le code du travail, écoute les salariés en difficulté. D'autres pensent que son action ne sert à rien. Ils ont probablement la mémoire un peu courte. D'autres encore ne veulent pas s'afficher avec un délégué, sous peine de se voir attribuer la même étiquette. Qu'ils se rassurent, l'engagement syndical n'est pas contagieux. La principale préoccupation du délégué syndical reste de défendre les salariés. Tous les salariés, chacun des salariés. Et très souvent, c'est toute l'entreprise qui en profite.